Pour continuer, je vous propose de suivre le tour de l'île de la compensation du handicap. Dirigeants et directeurs de ressources humaines sont invités par Cap Emploi, la GFIP et la DIR à venir à la rencontre de ceux qui connaissent les compétences et qui connaissent les dispositifs mis en place pour aider au maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Nous avons suivi pour vous une de ces étapes, c'est au port, au Farfar. Après Petite-Île dans le sud, c'est au port que le tour de l'île de la compensation du handicap fait étape ce jour-là. Cap Emploi organise son premier tour de l'île de la compensation. Donc ce sont des entreprises ou des employeurs qui nous accueillent dans leur structure. Aujourd'hui, donc, c'est la mairie du port qui nous accueille et qui nous a mis donc, une salle à disposition pour qu'on puisse aborder ensemble le handicap psychique. Ce tour de l'île de la compensation, c'est 4 étapes. C'est aller vraiment à la rencontre des employeurs. Des rencontres organisées dans chaque micro-région pour inviter les employeurs, chefs d'entreprise et directeurs des ressources humaines à mieux connaître les dispositifs d'aide à l'emploi de personnes en situation de handicap. Cap Emploi est une structure qui accompagne les salariés, les agents en situation de handicap et les indépendants. Dès lors qu'il y a une problématique de santé, et dès lors qu'il faut aménager leur poste de travail. L'idée, c'est d'aller vraiment à la rencontre des employeurs pour mettre en lumière les différentes déficiences et surtout parler des moyens de compensation, c'est-à-dire des outils que nous utilisons tous les jours pour faciliter donc le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Je suis Dominique Gaillac, je suis responsable du service santé au travail à la mairie du Port et référente handicap. La commune s'est engagée depuis 2015 aux côtés de Cap Emploi en faveur de jeunes en situation de handicap. Entre 2016 et 2020, 15 agents ont été embauchés en contrat d'apprentissage ou en parcours emploi compétences. Tous ont été diplômés à l'issue du parcours. Un référent handicap les suit dans leur prise de poste et dans leur évolution au sein de l'établissement. À la mairie du Port, c'est Dominique Gaillac qui remplit ce rôle. C'est comme si on faisait un carré, en fait. Voilà. La référente handicap, elle est là vraiment pour accompagner, pour orienter. C'est elle qui met en lien l'employeur, les partenaires, l'agent et le chef de service. L'année dernière, donc, on a signé une convention transitoire, justement, qui mettait un accent bien spécifique sur le recrutement des contrats d'apprentissage. Donc, le budget était alloué pour, justement, donner la chance à ces jeunes pour pouvoir avoir un diplôme et pour pouvoir trouver un travail avec leurs compétences. Nous accueillons Monsieur Van Outrive, David qui va se présenter, et Monsieur Baudin de ADECO. Ouais. David Van Outrive est en contrat d'alternance chez ADECO. Il prépare un Master 2 en Community Management. Victime de troubles psychiques dès l'adolescence, il n'est diagnostiqué que tardivement à l'âge adulte. J'ai travaillé très longtemps en étant bipolaire. Sans le déclarer. J'étais intermittent du spectacle à un moment. Il y a des boulots que j'ai pas pris parce que j'étais pas bien. Le côté d'un bipolaire, c'est-à-dire de passer aussi bien du haut vers le bas, c'est une maladie qui est très difficile à catégoriser. Donc pour moi, c'est que mon cerveau, il est tout le temps en train de travailler. Même quand je dors, mon cerveau travaille. Je suis tout le temps, il ne s'arrête jamais. C'est pour ça aussi que c'est très fatigant, d'une certaine manière. Bon, après, j'ai beaucoup moins ces phases-là, vu que je suis sous médicaments. Voilà. En 2011, il obtient la RQTH, la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Un statut qui lui permet de bénéficier d'aide et d'accompagnement pour poursuivre sa carrière dans les meilleures conditions, malgré sa maladie. Il y a un accompagnement aussi bien personnel que sur le travail. Mon métier, c'est community manager. Donc, c'est en fait travailler sur tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux. Je suis en télétravail total. J'ai un ordinateur, j'ai des horaires à faire. Et puis, il y a des moments où je peux être très fatigué, où je vais me reposer. Et je vais reprendre alors que ce n'est pas des horaires de bureau. David compense ses phases de fatigue en travaillant doublement dans les phases de pleine forme. Et ces périodes d'insomnie, il les occupe à faire son travail. Pour l'employeur,
d'ailleurs, le recrutement correspond exactement au profil et aux compétences qu'il cherchait, même s'il n'envisageait pas au départ d'embaucher une personne en situation de handicap psychique. J'ai sollicité le Cap Emploi comme d'autres organismes, et le Cap Emploi ont été les plus à même de me proposer des candidats, donc de me proposer la candidature de David. Donc en amont, le sourcing a été fait par le Cap Emploi, on a bien matché avec David et c'est comme ça qu'on a défini ensemble le contenu du poste et le contour du poste, la validation, et puis en phase d'aménagement de poste par rapport au type de handicap de David sur le télétravail, l'ordinateur portable et les préconisations. On a également été suivi par le Cap Emploi. Et puis aujourd'hui, maintenant que le poste suit son cours, j'ai un relais de Cap Emploi quand nécessaire, si on a des sujets en particulier. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler avec les candidats comme avec les organismes partenaires, mettre le sujet sur la table, et qu'aujourd'hui, de même, qu'à mon avis, on a une vocation à avoir un œil particulier sur les seniors, les juniors, l'alternance, les quartiers prioritaires, il faut impérativement intégrer la dimension handicap. Des personnels comme les autres, avec les mêmes compétences. Le tout, c'est de poser le sujet sur la table. Les deux prochaines étapes de ce tour de l'île de la compensation auront lieu dans l'Est, à Sainte-Marie le 8 octobre et le 28 à Saint-Benoît. Elles auront pour thème le handicap moteur, visuel et auditif dans le milieu professionnel.